Et c'est parti pour revivre les meilleurs moments de mon grand voyage qui aura duré 7 mois au total à travers 12 pays pour réaliser 14 000 km et on commence avec la côte atlantique. Et pour rejoindre les Pyrénées, j'ai emprunté un des meilleurs réseaux cyclables de France, la Vélodyssée. C'est un itinéraire assez plat et facile pour commencer mon voyage. Mais bon, cela ne m'a pas empêché d'avoir une crevaison avant d'entamer la célèbre route d'école. Au total, c'est 911 km, 16 000 mètres de dénivelé, en moyenne 2 à 3 cols par jour. Mais ici, il y a une ambiance particulière, celle du Tour de France, on a envie de se surpasser. C'est dur, mais ça en vaut vraiment la peine. Le fameux col du Tourmalet, pas un des plus difficiles, moi je retiendrai plutôt le col d'Irati ou de Marie-Blanc, que j'ai trouvé beaucoup plus dur à passer. Mais bon... Le col du Tourmalet, je suis arrivé en haut avec de la neige et j'avais vraiment très froid. Heureusement, on retrouve vite le soleil et les nombreux lacets des cols des Pyrénées. C'est un terrain assez plat mais avec beaucoup de vent, le Mistral, le fameux Mistral du Sud, je découvre enfin ce que c'est. C'est pas toujours facile, surtout quand il y a du sable, mais on y arrive avec Sancho, on avance assez bien. Voilà, après avoir longé la côte méditerranéenne, je suis super heureux de retrouver enfin les montagnes, les Alpes, et en commençant avec le col de la Bonnette, le plus haut col avec la plus haute route d'Europe. Vraiment, c'était impressionnant. Je l'ai monté en deux fois d'ailleurs, j'ai dû dormir presque en haut du sommet. Nuit un peu fraîche, mais c'est vite passé pour aller gravir après deux autres cols mythiques, celui de l'Issoire et du Galibier. Et on est encore en France, c'est l'occasion pour moi de rendre visite à quelques copains avant de partir un peu plus vers l'Est. Et on en a profité pour faire une randonnée de 20 km, mais surtout pour manger une bonne raclette, une des dernières, avant de partir vers l'Allemagne. Et voilà, après déjà un mois et demi de voyage, c'est déjà un premier objectif d'accompli. J'ai réussi à rendre visite au jumelage allemand de Guérande et du Puy-de-Liens,
une expérience incroyable, c'était vraiment fantastique, j'ai eu un superbe accueil de leur part, c'était incroyable, vraiment un grand merci à eux. Et on continue avec l'Autriche, un moment assez fort dans ce voyage, c'était complètement fou. Il s'est mis à neiger, ça ne s'arrêtait pas, il y avait carrément un camion à un moment donné qui était bloqué, qui ne pouvait plus avancer. Moi je me disais mais où est-ce que je vais dormir? J'ai réussi à planter ma tente dans un champ et j'ai juste attendu que ça passe. La première nuit il a fait moins 12 degrés à l'intérieur de la tente, moins 15 à l'extérieur. J'ai passé deux nuits comme ça avant de reprendre la route et de pouvoir admirer ce magnifique spectacle. C'était splendide, mais alors qu'est-ce qu'il a fait froid? Avoir passé la Hongrie, la Serbie et la Bulgarie, je suis en Turquie, je découvre ces grands espaces avec des fois beaucoup de vent et c'est aussi le moment pour moi de donner un petit coup de mécanique à Sancho. Il était vraiment pas bien, heureusement j'ai eu un très bon mécano, merci à lui, il a fait du super bon boulot. Certains d'entre vous connaissent sûrement la Cappadoce, c'est un endroit incroyable, il y a vraiment plein de choses à faire entre les villes souterraines, toutes les grottes à explorer, mais aussi les balades à cheval, en quad, les montgolfières, on peut vraiment tout découvrir là-bas, c'est splendide, j'y ai passé 3 semaines incroyables. Je me suis posé notamment pour faire pas mal de randonnées dans ce parc naturel, qui est vraiment d'une beauté insolite. Et pour cette dernière journée, ce 31 décembre 2021, je me suis fait plaisir. J'ai attendu avec impatience comme un enfant avant de prendre cet envol de montgolfière. 150 montgolfières en même temps, en simultané, dans les airs. C'était juste incroyable comme spectacle. Magnifique. Et ce 1er janvier 2022, j'étais réveillé dès 5h du matin pour pouvoir commencer une randonnée, aller voir les montgolfières, magnifique aussi du point de vue de la vallée. J'ai posé ma tente après la nuit d'après pour pouvoir voir ce magnifique envol de montgolfière dès le réveil en prenant mon café. C'était des moments vraiment incroyables. C'est un spectacle inédit pour moi et c'est mes meilleurs endroits de bivouac. Ça a été juste formidable. C'était pas facile d'y accéder à vélo, mais vraiment je ne regrette pas.
que des bivouacs de folie pendant 4 jours, c'était complètement dingue. Avec des grands espaces, c'était vraiment super. Ah, c'était terrible, je suis obligé de tenir un petit peu la tente là parce que c'est de la boue et du coup là il y a une sardine qui a lâché. Ça trempe de partout, c'est pas grave. Bon bah là c'est terrible, terrible. J'ai réussi à remettre les sardines et puis au final c'est l'arceau qui a pété. Ça se coûte partout mais ouais, je peux pas, en plus il fait trop froid. Les duvets vont être trempés, je vais me mettre à l'intérieur, je vais attendre, Ah, c'est difficile de s'imaginer à quoi ça ressemble, mais c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Bon, c'est comme ça, les galères ça arrive, c'est un moment difficile mais je repars encore plus motivé avec des paysages magnifiques. J'ai réussi à réparer la tente et donc c'est reparti. En attendant, bon, je me suis trompé de route, là je tourne à gauche mais je devais aller à droite. C'est pas grave, j'ai descendu toute cette grande descente pour pouvoir faire demi-tour, mieux la remonter et repartir dans l'autre côté. Voilà, Sancho, j'ai pu lui faire une petite beauté. Je l'ai tout customisé à l'Académie du vélo. C'est un endroit assez incroyable parce qu'en fait, c'est pour les cyclo-voyageurs. On y retrouve des chambres, une cuisine. Et c'est fait spécialement pour nous, pour qu'on puisse se sentir comme à la maison en voyage. Et voilà, ça c'est Inanch, une personne incroyable qui nous a permis de rencontrer plein de personnes. Et ça, c'est toutes les autres personnes que j'ai pu rencontrer en Turquie. Il y a eu de nombreuses rencontres. J'ai sélectionné quelques meilleurs moments que j'ai pu passer avec eux, soit autour d'un thé, le thé turc forcément. En Turquie, en tout cas, j'ai découvert ce que c'était que l'hospitalité turque. Et je suis vraiment content d'être allé jusque là-bas en vélo. Maintenant, il est temps de rentrer. Je prends la route direction la Grèce. Sancho et moi, on est un peu fatigués. On est pressés de rentrer à la maison. Et donc, on va tout donner pour effectuer ce retour le plus rapidement possible.
Et même si on est fatigué, qu'on est pressé de rentrer, on visite quand même un peu avec Sancho. On est passé voir les monastères. Ces monastères perchés en haut des montagnes, à se demander même comment ils ont pu faire, mais c'était incroyable à voir. Et puis très vite, on a retrouvé la neige. Très compliqué, l'objectif c'était de passer en Albanie. La tempête, vraiment ça allait pas fort niveau mental, et puis il y a eu cette attaque de chien. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais il a fallu vite s'en motiver sur une route très compliquée. J'allais vraiment pas bien à ce moment-là, je voulais aller me faire soigner en Albanie, je voulais à tout prix quitter la Grèce, c'était compliqué mentalement. Et pourtant, il fallait continuer d'avancer. Là, j'ai eu un gros coup de boost, sans doute dû au paysage magnifique de l'Albanie, un pays qui m'a vraiment surpris. Et le Monténégro, c'est pareil, c'était splendide. J'ai tout donné, j'ai vraiment fait des grosses journées, peu importe les dénivelés, on avançait comme pas possible avec Sancho. Et on dévalait les descentes aussi comme pas possible, c'était vraiment intense. Mais que de paysages magnifiques dans ces deux pays. Et alors, je sais pas si vous avez cette référence, Forrest Gump, ce film où on voit l'acteur en fait courir jusqu'à ce qu'il en ait marre et qu'il trouve qu'il en a fait assez et qu'il veuille rentrer chez lui. J'ai eu exactement le même sentiment à un moment donné, en fait, après la Croatie, je commençais à ne plus avoir envie de visiter. J'en avais trop vu peut-être pendant ce voyage et j'avais juste envie de retrouver mes copains, de retrouver ma famille et donc traverser l'Italie rapidement pour arriver en France. J'en suis tellement content que je pourrais presque en pleurer. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça, j'y arrive enfin. Allez, là c'est vraiment parti. Et une épingle après l'autre parce que ça va pas être facile sans. Et ça fait une heure que je grimpe et je pense que je suis vraiment pas mal, je sais pas combien de kilomètres je suis là. Et comme j'ai dit, épingle après épingle. Et ouais, je vais y arriver. Hein. Mais il est là, mon Dieu! Il est là, le gamin! Allez là! Le challenge Intersport, un magasin Intersport, une photo et 100€ pour la recherche contre le cancer. C'est le projet qui m'a été proposé par Intersport Guérande et Pontchâteau. C'était vraiment exceptionnel parce que j'ai pu remettre à la fin 10 000€ au professeur Olivier Delattre. Et c'était vraiment très intéressant, j'ai été faire la remise de chèque directement à Paris avec le professeur Olivier Delattre qui a pu m'expliquer vraiment à quoi allait servir l'argent et le but de ses recherches. Donc c'était vraiment très intéressant et quelqu'un de très simple, j'ai vraiment été très content de lui remettre 10 000€. Ah, vraiment exceptionnel pour moi de rouler, d'avoir autant de gens derrière moi qui vont me suivre. Je savais pas à quel rythme rouler au début. Voilà, et petit à petit, on avançait tous ensemble. Ça commençait à devenir dur pour certains, on s'aidait. Il y avait toujours de l'entraide et j'ai trouvé ça vraiment magique. On est vraiment formidable de rouler avec autant de monde et c'était vraiment un grand plaisir. Ouais. Ah, génial. Ah, merci.
comme je dis toujours, la vie c'est comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.